Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce journal. La région de la Bagoué se mobilise pour les mamans. La première dame, Dominique Ouattara, communiera avec les populations et demain samedi à Kouto en l'honneur de toutes les mères. À la veille de l'événement, la première dame ivoirienne a fait escale à Korogo où elle a été accueillie par une foule en liesse. Une saison des pluies avec zéro mort et zéro dégâts matériels. Le gouvernement affiche clairement son objectif en mettant en place des dispositifs pour réduire les risques d'inondation, éviter des pertes en vie humaine et des dégâts matériels. Le dossier Vide ici nous mène au cœur du dispositif de prévention. Quels résultats sur le terrain? Réponse tout à l'heure. Et les éléphants qui font une belle entrée, est-ce le nouveau stade de Yamoussoukro? La Côte d'Ivoire s'est imposée face à la Zambie sur le score de 3-1. Match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023 qui aura lieu dans notre pays du 23 juin au 23 juillet prochain. Le président de l'Union africaine et chef de l'État sénégalais, Macky Sall, en Russie, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue Vladimir Poutine. C'est une visite sur fond des craintes de crise alimentaire. Il s'est dit très rassuré de ses échanges avec le président Poutine à Sochi. Macky Sall appelle tous les partenaires à lever les sanctions sur le blé et l'engrais. C'est le bienvenu sur RTI 1. On continue de célébrer les mamans pour leur bravoure, leur dynamisme. La région de la Bagoué se mobilise donc pour elle. La première dame, Dominique Ouattara, communiera avec toutes les populations. Et demain samedi, à Kouto, en l'honneur de toutes les mamans. À la veille de cet événement, la première dame ivoirienne a fait escale à Korogo aujourd'hui même, où elle a été accueillie, vous allez le voir, par une foule très heureuse. Ami Sissoko. C'est à 14h45 ce vendredi que l'avion transportant la première dame Dominique Ouattara s'est posé à l'aéroport de Korogo, situé à 15 km de la ville. La première dame Dominique Ouattara a été accueillie par des membres du gouvernement ainsi que des autorités administratives, politiques et traditionnelles de la région du Poro. La première dame est en partance pour Kouto dans la région de la Bagoué où elle va célébrer la fête des mères demain samedi 4 juin avec les femmes du Grand Nord. À Korogo, le Fotamana, la traditionnelle bienvenue en Sénoufo, lui est souhaitée. Ce n'est pas donné à tout le monde d'accueillir la première dame. Non, je pense que c'est une occasion pour qu'on puisse l'honorer quand même. Et comme ça, nous, c'est un grand plaisir pour Korogo et toute la population de Korogo pour l'accueillir. On sent que le premier ministre n'est pas mort, il est encore vivant. Et nous, on dit Korogo, toujours pour le président de la République, Alassane Ouattara, toujours pour la première dame, Maman Dominique Ouattara. Et nous sommes prêts, et nous serons toujours prêts pour l'accueillir, car elle viendra toujours dans le Nord. Nous allons l'accompagner jusqu'à Kouto. On a mobilisé 20 cars pour l'accompagner et nous serons toujours là auprès d'elle. La population qui ne voulait certainement pas se faire compter l'arrivée de la première dame Dominique Ouattara dans la capitale du Poro a effectué massivement le déplacement à l'aéroport pour lui réserver un accueil des plus chaleureux. Je suis venue l'accueillir parce que c'est une femme qui fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Donc nous prions pour qu'elle ait une très longue vie dans la santé et puis qu'elle continue de nous assister toujours. Nous sommes là depuis 13h, et pour midi pour certains et 13h pour d'autres, pour lui dire Fotamana. Vraiment le passage qu'elle vient faire d'abord à Korogo, nous sommes fiers. Qu'elle puisse aller à faire l'activité en bonne santé. Et nous espérons que l'année prochaine, ce sera autour de Korogo, qu'elle vient célébrer la fête des mères à Korogo. Visiblement heureuse de se retrouver une fois encore à Korogo, la première dame Dominique Ouattara prend un bain de foule avant de mettre le cap sur Boundiali et Kouto. Voilà, Fotamana, bienvenue à Korogo. Après Korogo, donc, Madame Dominique Ouattara a pris la route pour Kouto. Sur son chemin, elle a marqué plusieurs escales. D'abord à Boundiali, ensuite les localités de Kolia et de Gbon. Et en fin d'après-midi, elle est arrivée à Kouto où sera célébrée demain, je rappelle, les mamans de la Bagoué au stade municipal. Notre reporter Mama Traoré nous décrit l'ambiance qui a prévalu durant tout ce trajet. Boundiali, capitale de la région de la Bagoué, dit bienvenue au Fotamana en langue sénoufo à Dominique Ouattara. Depuis l'arc de triomphe dressé à l'entrée de la ville, les danses du terroir exhibent de grands pas pour la circonstance. Les populations, elles, sont sorties massivement à chaque carrefour de la ville. Elles se sont mobilisées pour saluer l'hôte de marque de ce vendredi après-midi. Après Boundiali, cap sur Kouto, autre département de la région de la Bagoué.
à mi-chemin. Petite escale dans la cité de Kolia, à une trentaine de kilomètres. Pour l'occasion, les cultures Sénoufo et Malinké, à travers les danses traditionnelles, souhaitent la bienvenue à la première dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara prend également un instant pour serrer la main aux cadres et aux populations mobilisées pour l'accueil. Après Kolia, une autre escale s'impose au cortège de la première dame. Cette fois, c'est la petite cité de Gbon qui lui ouvre les bras. Pour l'occasion, les femmes de la localité lui dédient un chant traditionnel malinké. On est vraiment content de la venue. On nous salue. Merci beaucoup. Il y a longtemps qu'on l'a pas, on va nous voir vis-à-vis. Vraiment, je suis contente de recevoir la première dame parce que moi aussi, un jour, j'aimerais devenir comme elle. De Gbon à Kouto, le cortège de la première dame mettra quelques minutes pour parcourir la dizaine de kilomètres. Ici, au pied de l'Arc de Triomphe, l'épouse du chef de l'État est accueillie par un des illustres natifs de la ville, le ministre Bruno Conné, accompagné des autres cadres ressortissants de la localité. Je suis très heureuse d'être là, chez ma fille, ma sœur, et chez mon neveu, Bruno. Donc, je suis chez moi et je suis très heureuse. L'accueil a été très enthousiaste et ça nous a beaucoup touchés. Depuis Korogo, l'accueil chaleureux reçu par la première dame présage déjà de l'ambiance qui régnera ce samedi au stade municipal de Kouto, là où Dominique Ouattara a donné rendez-vous aux femmes du district des Savanes pour la célébration de la fête des mères. La première dame Dominique Ouattara qui est arrivée à Kouto aujourd'hui même où seront célébrées demain samedi les mamans de la Bagoué, célébration qui se tiendra au stade municipal. Ici à Abidjan, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, visite trois services au CH de Trècheville. Il veut s'assurer de leur bon fonctionnement. Il s'agit des services de pédiatrie, des urgences et des gynéco-obstétriques. Pierre Demba, qui a échangé par ailleurs avec les agents de santé, promet d'améliorer leurs conditions de travail, nous dit Jean Magagui. C'est en fin d'après-midi que le ministre de la Santé, Pierre Demba, arrive de façon inattendue au service des urgences médicales du centre hospitalier et universitaire de Trècheville. Les chambres d'hospitalisation, les équipements sanitaires, la qualité des soins, tout est examiné minutieusement. Après les urgences médicales, la pédiatrie et le service gynéco-obstétrique sont les points de chute du ministre Pierre Demba. Ici, le ministre est interpellé sur l'envahissement de façon quotidienne des salles de soins par les parents de malades. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que les gens travaillent dans des conditions limites où souvent ils sont envahis par les parents et ça ne leur permet pas de faire le travail. Donc je leur ai conseillé de s'adresser à ces parents avec beaucoup de courtoisie. Mais les parents doivent comprendre que c'est des professionnels de santé qui ont besoin de sérénité pour s'occuper des malades. Donc nous avons pris le temps de regarder le fonctionnement. Il y a quelques améliorations qui doivent être apportées au niveau donc, des équipements, notamment les lits, etc. Mais en même temps, nous allons renforcer le personnel pour que de plus en plus, nous soyons dans un processus de retrait des parents des lieux de soins. Au vu du constat, le ministre rassure, des actions sont entreprises par le gouvernement pour rendre accessibles les soins pour tous. Je voudrais vraiment rassurer les Ivoiriens que le gouvernement est en plein travail pour améliorer donc, aussi bien les infrastructures, les équipements, mais surtout la qualité des soins, et les rendre accessibles à tous nos parents avec la couverture maladie universelle qui est un processus qui est en cours et qui va prendre de l'accélération ces prochains jours. Cette initiative du ministre de la Santé, Pierre Demba, se tient dans le cadre du projet d'amélioration des prestations dans toutes les structures de la pyramide sanitaire en Côte d'Ivoire. Et le ministère de la Santé accentue aussi la lutte contre le coronavirus dans notre pays. Voici les statistiques du jour. Ce vendredi 3 juin, notre pays enregistre 13 nouveaux cas de COVID-19 sur 735 échantillons prélevés, soit 1,8% de cas positifs, 17 nouvelles guérisons et 0 décès. À la date du 3 juin 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 82 242 cas confirmés, dont 81 396 personnes guéries, 799 décès au total et 47 cas actifs. Faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus. Et la Côte d'Ivoire peut compter sur le soutien des Nations Unies dans sa bataille contre
les violences basées sur le genre. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Naseneba Touré, a eu une séance de travail avec la représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la population et dans notre pays. Des stratégies de lutte ont été élaborées pour des résultats concrets sur le terrain, nous disent Evelyne Yoboué, Jamayagi. La ministre Naseneba Touré et les experts en santé reproductive de l'UNFPA en plein échange. Les mutilations génitales féminines, grossesse et mariage précoce sont, entre autres, les sujets abordés au cours de cette rencontre. Ces deux personnalités sensibles aux violences à l'égard des femmes et des jeunes filles veulent, à travers cette visite de travail, unir leurs forces afin de lutter efficacement contre ce phénomène. Et nous avons convenu d'avoir une réunion beaucoup plus technique pour élaborer une feuille de route avec des activités bien précises, à haut impact, qui vont nous permettre de faire bouger les lignes en termes d'élimination ou de réduction de l'impact des normes sociales sur les conditions de vie des femmes et des filles. Nous avons une très belle collaboration avec l'UNFPA, qui, ces dernières années, a été un soutien capital pour la mise en place des plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre. Et nous avons pu installer 79 plateformes à travers le pays. Cet échange a également porté sur d'autres possibilités de collaboration avec des impacts de haut niveau pour une meilleure condition des populations ivoiriennes à travers des familles, des femmes et des jeunes. Une saison de pluie avec zéro mort et zéro dégâts matériels. Le gouvernement affiche ainsi clairement son objectif en mettant en place des dispositifs pour réduire les risques d'inondation, éviter des pertes en vie humaine et des dégâts matériels. Un plan de prévention a donc été élaboré. Mais à quoi consiste-t-il? La sensibilisation des populations est dans les zones à risque porte-t-elle ses fruits? Qu'est-ce qui a été décidé au juste en prélude à cette saison pluvieuse? Le dossier VDC nous mène ce soir au cœur du dispositif de prévention. Il est signé Grace Kando. Bessikwa, un bidonville niché au cœur du coquet quartier de la Riviera Palmeraie. La saison des pluies offre depuis quelques semaines ses premières précipitations. Pour cette habitante, mère de famille, c'est la période des grandes inquiétudes. Quand il pleut, on ne dort pas. Mm-hmm. Ça nous fatigue trop. Ça rentre dans la maison, on est obligé de prendre les enfants pour les attacher, pour rester. Ou bien Lola n'arrive pas. Si Lola cesse, on va vider la maison. On cherche aussi pour partir prendre l'autre maison pour quitter le quartier. Noël a bien des raisons de s'inquiéter. Cette année, la saison des pluies s'annonce particulière. Bureau de la Sodexam au sud d'Abidjan. Ici, c'est le centre névralgique des prévisions météorologiques. En Côte d'Ivoire, pour la saison des pluies, il est attendu pour cette année, selon les indications, près de 640 mm de pluie au total. Et nous sommes aujourd'hui à 316 mm de pluie. Donc déjà à un mois et demi, on a déjà atteint la moitié. Le mois de juin est le pic de la saison des pluies. Donc nous nous attendons pour le mois de juin à vraiment des intensités un peu plus fortes. Saison des pluies rime entre autres avec éboulement, inondation et plusieurs autres dégâts humains et matériels. Le groupement de sapeurs-pompiers militaires s'est dit prêt à la tâche. Nous avons rappelé tous nos personnels qui étaient en congé pour avoir le maximum de personnes disponibles. On a mis en œuvre tous les moyens qui peuvent nous permettre d'accéder à tous ces sites. Les premiers secousses, certes, mais les questions de prévention de risques et de catastrophes naturelles ne sont pas à occulter. L'Office national de la protection civile en fait son affaire. Il mène des actions de terrain pour apporter le message de sensibilisation aux populations, notamment celles vivant sur les flancs de collines. Nous avons délimité 15 mètres. Dans ces 15 mètres, c'est une zone de sécurité où il ne devait pas avoir d'habitation. Nous avons aussi mis en place, dans le schéma de l'alerte précoce, des comités de sensibilisation avec les chefs de quartier, les chefs religieux, les chefs de communauté. Nous avons permis de relayer la sensibilisation et l'accent sera mis sur les enfants. Parce que l'année 2022, on a déjà déploré le décès de 5 enfants qui ont été emportés par les eaux de ruissellement. L'année passée, c'était 7 enfants. Donc l'accent sera mis
sur les enfants. Les parents doivent protéger leurs enfants quand il pleut. Lorsque les pluies sont abondantes, laissez les enfants à la maison. Quand il pleut, si on a une seule route, que l'eau passe là-bas, voilà, chacun maintient ses enfants pour garder chez lui à la maison. Maintenant, chacun parle à les enfants. Quand il pleut, tout le monde n'a qu'à rester tranquille. Pour ne pas que, en cas d'accident de colline ou bien en cas d'accident de l'eau, il ne faut pas savoir emporter les enfants. Dans plusieurs quartiers d'Abidjan s'installent de mauvaises pratiques. Par exemple, la construction de bâtisses qui ne tiennent pas compte du risque d'inondation. On constate que quand il pleut, l'eau n'arrive plus à s'écouler normalement. Donc il y a un risque pour les populations qui ont construit derrière vous, des murs qui se sont effondrés. Derrière moi aussi, le voile de béton que le propriétaire a mis pour se protéger, qui est en train de s'effondrer. Donc il y a un risque pour le propriétaire. Il faut arrêter les constructions sur le chantier. Dans cet élan de sensibilisation, les collectivités s'impliquent. À Cocody, les autorités communales, en plus de miser sur la sensibilisation des personnes vivant dans les zones à risque en cette période de pluie, sont aussi à pied d'œuvre pour lutter contre les défauts de construction. Pour cette année 2022, l'on enregistre entre 4 et 5 cas d'effondrement d'immeubles. Le premier cas le plus grave là, a eu lieu début mars, où on a enregistré 6 morts. C'est-à-dire que quand on va sur le chantier, on demande d'abord si l'opérateur a un permis de construire. Si ce n'est pas le cas, on arrête le chantier et on informe le ministère de la Construction. Mais pour ce qui concerne le grand curage de drainage et autres systèmes d'évacuation des eaux de ruissellement, l'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD, prend des dispositions à travers la construction et l'entretien d'infrastructures. L'idée est de minimiser les possibilités d'inondation. Un volet de renforcement des infrastructures qui a été entamé au niveau de la Palmeraie. Et donc aujourd'hui, ces ouvrages-là, la grande partie est terminée. Donc ça permet de limiter les inondations qu'on a constatées les années précédentes au niveau de la Palmeraie. Et puis également, sont en cours actuellement des travaux de renforcement de ces ouvrages-là au niveau de Yopougon, les grands canaux de Yopougon. Et puis, même au niveau de Cocody, le prolongement du canal qui va déboucher au golfe. Il y a des ouvrages qu'on appelle ouvrages primaires, qui sont des ouvrages principaux. Après chaque pluie, ces ouvrages-là sont visités par nos équipes pour vérifier l'état de ces ouvrages-là et puis réaliser les mesures de correction nécessaires. Avant la construction du pont-là, l'eau nous inondait ici jusqu'à ce que ça s'en va avec nos plantes. Mais actuellement, comme ils ont fait le pont, bon, ça nous arrange. Quand il pleut, ça va maintenant. L'eau ne monte plus ici. 55 sites dangereux sont identifiés dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Les plus exposés sont Aniama, Abobo, Port-Boué, Yopougon, Bingerville, Cocody et Atekoubé. Nous avons sensibilisé les gens, près de 500-600 personnes qu'on a déplacées pour la mise d'un groupe scolaire. Donc on a fait pendant des mois. Et après la saison des pluies, ils sont répartis chez eux. Ils ont déménagé du quartier carrément. Après la sensibilisation, place au déguerpissement. Le gouvernement prévoit une opération le 5 juin prochain. L'opération, c'est d'amener nos compatriotes, les gens qui habitent dans ces zones-là, à prendre conscience du danger auquel ils sont exposés. Quelquefois, les gens partent, après ils reviennent. Ce qu'on a décidé maintenant, c'est des travaux d'aménagement pour rendre toute réinstallation impossible. Une opération qui se tient autour du thème « Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque ». Un thème qui a tout son sens en cette saison des pluies. Ne dit-on pas que l'eau, source de vie, peut être source de drame. Alors, des situations à donc éviter. L'eau doit rester source de vie, zéro mort, zéro dégâts matériels en saison pluvieuse. C'est possible, le gouvernement, vous l'avez vu, appelle donc les populations à quitter les zones à risque afin de préserver leur vie des inondations. C'était au cœur du dispositif de prévention, un dossier réalisé pour vous par Grâce Kando. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly, vient de visiter le VITIB, village des technologies, de l'information et de la biotechnologie, dans la ville historique de Grand Bassam. Objectif de cette incursion, échanger et recueillir les préoccupations de l'administration de cette Silicon Valley à l'ivoirienne afin d'améliorer la promotion et le développement des TIC dans le pays. Jean Magagui.
la direction du village des technologies de l'information et de la biotechnologie VITIB à l'écoute du ministre de tutelle Amadou Koulibaly. Les administrateurs de ce centre font part de leurs doléances à l'hôte spécial. Ce sont au total plus de 600 hectares de terrain à exploiter pour faire du VITIB une smart city. Après des échanges, visite guidée du ministre dans les locaux de la compagnie ivoirienne d'études de réalisation en informatique Syria, de Talentis, société agréée du VITIB et de la Fondation Jeunesse Numérique. Objectif, s'assurer du bon déroulement des activités de la zone franche. Nous estimons que le VITIB devrait pouvoir bénéficier donc de beaucoup plus d'entreprises, parce que nous avons tout pour réussir. Nous avons toutes les infrastructures sociales de base qu'il faut à un entrepreneur pour pouvoir s'installer dans un pays. Au vu des difficultés, le ministre promet. Il y a quelques problèmes que nous avons pu identifier, les questions d'aménagement donc des terrains, quelques litiges encore fonciers à régler, mais ça c'est partout en Côte d'Ivoire, et puis quelques incompréhensions avec les administrations douanières et fiscales, parce que nous sommes en zone franche. Nous espérons que le directeur général qui doit être recruté sera très bientôt donc désigné, afin que nous puissions, en tant que structure de tutelle, accompagner le VITIB dans son développement. Après 15 ans de création, le village des technologies de l'information et de la biotechnologie présente une quinzaine de projets pouvant être réalisés sur son sol. Le ministre Amadou Koulibaly au VITIB marque la fin de sa tournée dans les structures sous tutelle. Et un petit tour dans les airs avec la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire qui a fait le lancement officiel de sa nouvelle ligne directe Abidjan-Bissau hier jeudi 2 juin. Un vol inaugural a été ainsi effectué sur la capitale bissau-guinéenne par la direction générale d'Air Côte d'Ivoire en compagnie du ministre des Transports Amadou Koné. 3 vols directs partiront désormais et chaque semaine à partir d'Abidjan. Envoyé spécial Jean-Luc Bambo, Aziz Ganiou. Ce jeudi matin 2 juin 2022, peu après 8 heures, un Airbus A320 de Air Côte d'Ivoire a décollé de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en direction de Bissau, inaugurant ainsi le tout premier vol direct régulier entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Pour ce vol inaugural, une délégation ivoirienne conduite par le ministre des Transports et constituée d'opérateurs économiques, de personnalités du monde de la culture et des médias ont fait le voyage. Et c'est vraiment une occasion pour nous en tant qu'agents de voyage de développer le tourisme avec les vols directs et aussi l'économie de la sous-région. Pour aller dans ce pays auparavant, il fallait passer par le Sénégal. Mais avec cette nouvelle ligne-là, on a au moins plus de 2 heures du vol. On espère aussi que ça va permettre de solidariser les liens entre la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire. La Guinée-Bissau fait partie de la CEDEAO, un pays relativement enclavé du point de vue de la desserte donc aérienne. Et donc le président de la République donc nous a instruit à l'effet d'ouvrir donc cette destination. Après 2h20 de trajet, le vol HF-780 a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Osvaldo Vieira vers 10h30. Accueilli dans une ambiance festive par le ministre bissau-guinéen des Transports, la délégation ivoirienne a ensuite été reçue à la présidence de la République où un accord bilatéral de services aériens a été signé entre les deux pays, en présence du chef de l'État, Oumaro Sissoko Embalo. Normalement, Côte d'Ivoire et des autres pays doivent booster la Guinée-Bissau parce que c'est nous qui sommes dans le besoin en ce moment. Et la solidarité, c'est très important. Et ce geste pour nous sera marqué à vie de ces premiers vols. Les autorités de la compagnie aérienne, elles, se sont dites honorées et fières de contribuer au rapprochement des deux peuples à travers la création de cette ligne directe. Abidjan-Bissau marque la naissance d'un lien solide entre deux pays frères qui envisagent de raffermir davantage leurs relations et de grandir ensemble, main dans la main. Un véritable pont pour connecter les peuples, mais également les cultures et les hommes d'affaires des deux pays. Nous devrons tout mettre en œuvre pour que la Guinée-Bissau
À travers ces populations et ces hommes d'affaires puissent aussi bénéficier de ce puissant marché qu'est celui de la CEDEAO avec plus de 300 millions d'habitants. Le lancement effectif de cette nouvelle ligne se fera à raison de 3 vols par semaine avec Bissau et Johannesburg. Air Côte d'Ivoire étend son réseau à 20 destinations régionales. Et sur place ici, à Abidjan, le commissaire du gouvernement Ange Kessy était face à la presse. Il a fait l'état des lieux de la lutte contre le racket. Pour bannir ce phénomène des rangs, des forces de l'ordre et de sécurité, une unité de lutte a été mise en place. Elle veille à l'atteinte de l'objectif tolérance zéro racket dans notre pays. Frédéric Oulay, Abusanogo. Viol, bavure, escroquerie, la question du racket dont les fonctionnaires de police, gendarmes et militaires sont pointés du doigt. Le commissaire du gouvernement, le contre-amiral Ange Kessy Berna Kwame, fait l'état des lieux des infractions. Désormais, un policier qui est corrompu pour un chauffeur de taxi, on ne prendra pas le policier pour laisser le chauffeur de taxi. Par contre, dans l'escroquerie, je ne pense pas qu'il y ait une loi qui punit l'escroc et l'escroqué. Je ne pense pas. C'est seulement la corruption où les deux sont punis. Vous êtes corrompu, vous êtes puni. Vous êtes corrupté, vous êtes puni. Au regard de son efficacité dans le traitement des dossiers liés aux infractions causées par les hommes en tenue, avec la mise en place de l'unité de lutte contre le racket, les rapports des enquêtes révèlent 245 plaintes liées à l'escroquerie, 7 cas de viol et 165 cas de racket. Le rôle de la justice n'est pas d'éradiquer une infraction. C'est de punir celui qui commet cette infraction. Avant, on pouvait racketter impunément. On pouvait violer sans se dire, écoute, va où tu veux, je m'en fous. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Vous violez l'enfant de quelqu'un, le demain matin, vous êtes arrêté. Nous avons eu 7 cas de viol des gens jusqu'à maintenant. Ces 7 personnes sont en prison actuellement. Je ne vais pas leur dire le nom parce que ce sont des gens qui sont en train d'être radiés. Raquette, là, un seul mois de prison, vous êtes déshabillé. Malgré tout, vous ne finissez pas. Il y a eu 17 sous-officiers qui ont été radiés à cause de ça. Cette année-là, on n'a même pas encore fini l'année, nous sommes en temps 3. Il faut faire en sorte que notre pays soit fréquentable. Parce que si un étranger arrive, vous venez investir dans ce pays et qu'à l'aéroport, au niveau des passeports, il est racketté. Au niveau de la douane, il est racketté. Il sort de l'aéroport et un gendarme le rackette. Vous pensez que ce gars-là, il va chercher un hôtel pour rester, pour chercher à investir? La première chose à faire, c'est d'aller voir une agence de voyage pour modifier son billet puis retourner. Hein. Donc nos forces de l'ordre, là, c'est la porte d'entrée dans notre pays et c'est la porte d'entrée de notre moralité. Le commissaire du gouvernement Ange Berna Kessy Kwame s'est également prononcé sur l'escroquerie liée au concours d'entrée à la fonction publique dans les écoles de police et de gendarmerie. À ce titre, on dénombre 102 cas, dont 80 ont été remboursés au cours de ces 6 derniers mois, contre 240 cas pour l'année dernière. Ailleurs en Tunisie, on dit aussi non à toute forme de corruption. La loi vient de s'appliquer justement à des praticiens du droit. Ils ont été sanctionnés par le président tunisien Kais Saied, a limogé 57 juges. Il les accuse de corruption et de protéger des terroristes. Dans une allocution télévisée, le président tunisien a indiqué avoir donné avertissement après avertissement à la justice pour se purifier elle-même. Le décret formalisant le limogeage des juges a été publié au journal officiel. La Côte d'Ivoire, un modèle en matière d'organisation et de son armée et de lutte contre le terrorisme, inspire d'autres pays. C'est le cas du Burkina Faso, dont le chef d'état-major de la gendarmerie vient de séjourner dans notre pays. Le lieutenant-colonel Evra Sonda veut s'inspirer de l'expérience ivoirienne. Il a donc eu une séance de travail avec le commandant supérieur de la gendarmerie à Palo, Alexandre Touré. Khalil Diomandé, Abou Sanogo, le reportage. Le nouveau chef d'état-major de la gendarmerie du Faso, le lieutenant-colonel Evra Sonda, en visite de travail en Côte d'Ivoire, reçu par son homologue ivoirien, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré. 2 heures d'échange pour parler de coopération entre les gendarmeries des deux pays. Ils ont également passé en revue le modèle de la gendarmerie ivoirienne. Un modèle efficace et exemplaire selon le lieutenant-colonel Evra Sonda. Nous avons découvert des hommes expérimentés, très compétents, professionnels. Et nous pensons que la spécificité des gendarmeries, de la gendarmerie ivoirienne, peuvent être un gage de réussite
dans la lutte contre le terrorisme. Nous partageons les mêmes idéaux et la proximité de nos peuples et de nos deux pays fait que si on se met ensemble, on est sûr de pouvoir remporter la victoire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Après le commandement supérieur de la gendarmerie nationale, la délégation burkinabé s'est rendue à la caserne de gendarmerie d'Agban pour une visite. Le groupement d'escadrons blindés et l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale ont été visités. Le dispositif de lutte antiterrorisme de la gendarmerie nationale a également été présenté au chef d'état-major de la gendarmerie du Faso. Une démonstration contre terrorisme et des libérations d'otages exécutées par l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale a meublé cette visite de travail du chef d'état-major de la gendarmerie du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est également un modèle dans la formation des cadres. Les premiers diplômés de l'école de pétrole de l'INPHP, Institut National Polytechnique, Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, ont reçu leur parchemin. Ils sont au nombre de 40 auditeurs à avoir suivi la formation pendant un an et demi dans les spécialités de l'amont et de l'aval pétrolier. Kades Ogodogo nous en dit plus. Amphithéâtre Ezan Akélé de l'INPHB de Yamoussoukro. On serait tenté de dire, après le travail, la récompense. Il y a moins d'une semaine, une loi faisant la part belle aux Ivoiriens dans le secteur pétrolier était votée au Sénat. Aujourd'hui, ils sont 40 diplômés en master, amont et aval pétrolier qui reçoivent leur parchemin. Ils sont désormais aptes à exercer depuis la recherche jusqu'à la production du pétrole, les tout premiers de la Côte d'Ivoire. L'INPHP aujourd'hui reste une école ouverte vers l'international en intégrant les formations de différents pays avec lesquels nous sommes en partenariat, mais reste également une école ouverte vers le monde de l'entreprise avec lequel nous avons de nombreux rapports et qui nous permet justement de former les jeunes directement pour leur insertion. Cette cérémonie, placée sous le parrainage du ministre secrétaire général de la présidence de la République, a été une occasion de revenir sur les efforts consentis par la République pour voir ses enfants se hisser parmi les meilleurs. Tout étudiant, quel que soit l'endroit où il se trouve, de nationalité ivoirienne, qui est admis dans les meilleures écoles de commerce et d'ingénieurs, est automatiquement boursier de l'État de Côte d'Ivoire. C'est vraiment l'œuvre du président de la République. C'était vraiment pour introduire l'équité dans la répartition des bourses. Donc nous avons une liste d'écoles qui a été validée. Si vous êtes admis dans l'une de ces écoles, en grande école, vous bénéficiez automatiquement d'une bourse de l'État de Côte d'Ivoire pour poursuivre vos études. Souvent on dit en Côte d'Ivoire que la relation est mieux que le diplôme. Il faut que cela change. Et c'est tout ce qui est en train d'être mis en place par le président pour faire en sorte que compétences soient mieux que relations. Durant cette fête dédiée à l'excellence, il faut noter 27 diplômés en Master Data Science, Big Data et Intelligence Artificielle, 65 ingénieurs du Centre français CENAM formés à l'INPHB et 17 masters professionnels en transport et aménagement urbain. Ils ont tous reçu leur parchemin. Une bonne nouvelle pour les travaux de recherche. Un financement annoncé. Je suis heureux de vous annoncer que nous allons mettre en place un financement de la recherche pour les doctorants à hauteur de 10 millions de francs par an et par chercheur sur une période de 3 ans. Tout cela concourt au bien-être de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Le fait qu'à l'INPHB, les rendements internes et externes frôlent classiquement les 100%, faisant ainsi de cet institut le creuset de la réussite scolaire et de l'adéquation formation-emploi. Les excellentes et pertinentes formations, écoles et centres qui ont vu le jour à l'INPHB ces dernières années ont attiré de nombreux partenaires nationaux et internationaux, créant ainsi des partenariats de double diplomation et des opportunités de poursuite de formation à l'extérieur pour les apprenants de l'INP. Plusieurs partenariats avec l'INPHB ont été signés au profit de la formation de l'élite.
Elles étaient à l'honneur le 29 mai dernier. Les mamans continuent d'être célébrées. Yopougon Terminus 40, les mamans issues des 10 secteurs du quartier ont été magnifiées. Elles ont reçu de nombreux cadeaux, des cadeaux en vivres et non vivres de la part du conseil municipal. Le premier adjoint au maire Issoufou Ekoulibaly leur a rendu hommage au nom du maire Gilbert Kafana Koné qui promet le financement de projets des jeunes. Frédéric Oulaï, Jamagagi. Axe William Ponty, mairie de Yopougon. Défilé des couches socio-culturelles ainsi que parade à l'esplanade de la mairie de Yopougon. Ambiance variée, haut en couleur, le conseil municipal de Yopougon n'a lésiné sur les moyens pour célébrer les mamans de la commune. Joie, remise de cadeaux, le premier magistrat Gilbert Koné Kafana a fait des heureuses. Monsieur le ministre Gilbert Koné Kafana, je lui dis merci pour tout ce qu'il fait pour la commune, pour tout ce qu'il fait pour les femmes. Et c'est chaque année, c'est comme ça qu'il nous met à l'aise. C'est une joie, l'esprit de ma femme a été tiré. Comme je suis présent, il faut que je prenne pour aller lui faire un cadeau, ça veut double événement. Le maire qui offre, l'homme qui offre. Cette fête en l'honneur des mères, occasion saisie par le maire pour communier avec les mamans. Monsieur le maire, tel un père, soucieux, attentionné, vous venez donner le sourire à nos visages. Nous sommes plus de 5000 mamans à avoir reçu de beaux et magnifiques présents choisis avec amour. La mobilisation était au rendez-vous avec la présence des chefs coutumiers. Le maire a exhorté ses têtes couronnées à prôner la paix. Nos mamans, je voudrais vous saluer, vous remercier l'enfant qu'il pleure, c'est sa maman que l'on voit. Il a faim, il a envie de manger, c'est vous qui venez au secours. Et lorsque tout le monde abandonne l'enfant, quelles que soient les raisons, vous êtes toujours là. Quel amour, quelle preuve d'amour. Et c'est cela que nous fêtons aujourd'hui. Le show de cette célébration des mamans de Yopougon a été assuré par les artistes Mawa Traoré, les leaders et l'artiste Eddy. Belle inauguration du nouveau stade de Yamoussoukro par les éléphants. La Côte d'Ivoire s'est imposée face à la Zambie aujourd'hui. Est-ce le score de 3-1 sur le nouveau stade de Yamoussoukro? Match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023 qui aura lieu dans notre pays du 23 juin au 23 juillet prochain. La Côte d'Ivoire, bien que qualifiée d'office en tant que pays hôte, ne déroge pas aux éliminatoires et devra disputer chacun des matchs du groupe H. Et on va terminer par la Russie, où le président en exercice de l'Union africaine, chef de l'État sénégalais, Macky Sall, s'est entretenu aujourd'hui avec le président Vladimir Poutine. C'est une visite sur fond de crainte de crise alimentaire. Le chef de l'État sénégalais et président de l'UA a plaidé la cause de tout un continent. Il s'est dit très rassuré de ses échanges avec le président Poutine à Sochi, avec qui il a évoqué les craintes de crise alimentaire du fait de l'offensive russe en Ukraine. Macky Sall a appelé tous les partenaires à lever les sanctions sur le blé et l'engrais. Vous l'avez compris, point final de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain 20h, retrouvez Kolo Koulibaly. Et moi, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, prenez soin de vous.